Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, je vais vous faire une guidance, je sais pas ce que je vais vous faire encore, rien n'est préparé. Ok, alors on me dit de vous transmettre des messages à des anges guérisseurs. On me dit que ça, voilà, ça apportera beaucoup de choses, ça vous apportera beaucoup. Donc, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin. Donc voilà, c'est pour se guérir avec les médecins du ciel, les anges gardiens, le Tout-Puissant. Donc on va voir ce qu'on vous recommande de faire hein, pour guérir. Alors voilà, ça peut être physique, moral. Physique, morale, au niveau des chakras, au niveau. Voilà, plein de choses. Plein de choses. Donc, on va découvrir les petits messages. Donc, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous êtes en confinement. Moi, j'y suis. Mais je continue mes consultations. J'ai récupéré mon retard. Donc, je suis super contente. J'ai récupéré mon retard. Voilà. Bon, allez, un petit peu d'encens. On va allumer la bougie du chakra. Donc c'est la bougie. Je la représente parce que s'il y a des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont abonnées récemment. Donc c'est une bougie du chakra. Alors attendez, parce que j'ai pas mes lunettes. C'est pour le chakra du cœur, donc ça vous apporte vraiment, ça apporte de la compassion, de l'équilibre au niveau du chakra du cœur, de la sensibilité et de la générosité. Voilà. C'est pour tout ça. Donc ça régule toutes ces choses au niveau du chakra du cœur. Alors, je cherche mon briquet. Attendez, j'ai pas de briquet. Donc, il va falloir attendre une minute. Désolée pour l'attente. Allez. Donc je prends de l'encens de cendre de dragon qu'on m'a offert. Je fais un petit bisou à ma fidèle abonnée. Voilà. Qui est une blouse blanche. Donc voilà, je lui envoie plein de force, de courage. Une grosse barrière de protection face au virus, beaucoup de force, beaucoup de courage, plein d'amour et plein d'énergie positive. Je sais qu'elle va regarder, sera peut-être la première à regarder cette vidéo durant sa pause. Donc voilà, je lui fais plein de gros gros bisous. Allez, on y va. Demander des petits messages aux anges. Allez. Mes guides de lumière, s'il vous plaît, quels sont les petits messages à transmettre durant cette guidance? Donc bien sûr, c'est du général. Vous prenez que ce qui résonne au plus profond de vous. Si les messages ne vous parlent pas, ça ne veut pas dire que vous pouvez très bien avoir besoin de guérir avec les anges. Mais peut-être que les messages ne seront pas pour vous. Si des fois, vous ressentez le besoin de vous guérir avec les anges, avec le Tout-Puissant, avec tous les maîtres ascensionnés, les anges gardiens, etc. Je laisse toujours tous mes coordonnées sous chaque vidéo, donc n'hésitez pas. Donc là, je le rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver. Et je fais aussi des guidances
des guidances personnelles. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Allez, mes kits de lumière, s'il vous plaît. Quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui pour, voilà, pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance? Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Qu'est-ce qu'il y a à faire comme travail? Qu'est-ce que vous avez vu qu'il fallait faire comme travail? Qu'est-ce que vous avez vu qu'il fallait guérir? Ça fait trop. Qu'est-ce que vous avez vu qu'il fallait guérir, s'il vous plaît? Sur quoi les personnes doivent-elles travailler? Et donc voilà, après, soit vous travaillez les choses seules avec les anges, hein, si vous avez déjà une ouverture spirituelle. Pour toutes les personnes qui n'ont pas d'ouverture spirituelle, voilà, je propose des soins. Donc voilà, il suffit de me contacter par email, un petit SMS, parce que je préfère les SMS que les appels. Si des fois vous m'appelez, vous me laissez bien un message sur mon répondeur. Je préfère les SMS parce que après, voilà, quand je suis en consultation ou en soin, c'est toujours une heure, donc je peux pas. Voilà, je suis occupée et comme ça, avec un SMS, j'ai une trace et je vous réponds tout de suite après dès que je suis disponible. Voilà. Ça, c'était le petit rappel. Des fois, c'est bien de faire des petits rappels pour toutes les personnes qui arrivent. Les anciens sont habitués. Allez, mes kits de lumière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à guérir? On dit celui-ci. Bien. Mes kits de lumière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à guérir avec les anges? De lumière, s'il vous plaît, quel est le petit message à transmettre? Vers quoi vous guidez les personnes qui vont regarder cette vidéo pour les aider à guérir avec les anges? On me dit 3. Ah, celui-ci. Ok, bien. Ah, regardez, un très très joli message. On peut pas, voilà, tomber. Donc vous voyez, l'archange Raphaël vous envoie par son magnétisme en fait. Hein. C'est une très très jolie carte. Hein. Vous envoie son magnétisme, hein, son magnétisme de guérison depuis l'au-delà. Il vous dit, c'est l'ange de la guérison, l'archange Raphaël. Et il vous dit qu'il est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver votre santé. Voilà, donc il vous soutient, il voit tous vos efforts pour conserver votre santé. Donc il est auprès de vous, hein, il est auprès de nous tous. Donc voilà. Ok. Bien, alors on va les découvrir ensemble. Tadam ! Surprise. Alors, le chakra sacré. Je vais vous le mettre ici. Avec maman Marie. Alors, le chakra sacré. Alors, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Alors, les anges vous envoient ce message parce qu'ils veulent que vous compreniez la profonde réceptivité de votre corps. Donc, on vous dit que votre corps, les anges vous, voilà, vous le disent, hein, vous devez comprendre la profonde réceptivité en fait de votre corps. Votre corps réagit en fait à tout, à toutes les énergies. Qu'il puisse y avoir.
Et on vous dit qu'en tant qu'être hypersensible, vous pouvez parfois connaître la confusion ou l'engourdissement. Deux manières de gérer les sensations physiques trop fortes. Vous pouvez aussi avoir besoin de vous soigner avec des médicaments chimiques, prendre certains aliments ou et boissons créant une dépendance. Là, donc là, il y a des personnes qui sont en dépendance. Et on vous dit que cette dépendance, c'est pour vous tenir à l'écart des énergies dérangeantes. Et on vous dit que par cette carte, les anges gardiens, l'univers, le tout-puissant, les médecins du ciel, comme je les appelle, par cette carte, en fait, c'est vraiment un message très très fort, hein, qui vous demande de vous presser, de gérer votre sensibilité de manière plus naturelle. Donc là, on vous demande de gérer votre sensibilité de manière plus naturelle. Les anges veulent vous aider à désintoxiquer votre organisme des produits chimiques et des aliments industriels. Ils vous incitent également à vous éloigner des situations désagréables et des relations malsaines. Alors, on vous dit, alors laissez-vous guider. On vous dit que le chakra sacré est le deuxième centre d'énergie du corps, situé entre le nombril et le bas-ventre. Et on vous dit de visualiser ce chakra sacré. Vous pouvez le visualiser brillant d'une vive lumière orange afin de conserver son équilibre. Voilà. Troisième petit message. Animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide, qui vous aide à gérer cette situation. Donc là, il y a des personnes qui sont aidées par les esprits animaux, hein, et on vous dit que ce sont vos gardiens, vos anges gardiens, votre gardien, vos guides. Et on vous dit bien qu'ils vous aident à gérer la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc ça peut être dans tout domaine. Voilà. Mais là, vous avez un gros soutien des esprits animaux. Donc, les esprits animaux, ce sont nos chers et tendres petits compagnons, les animaux, hein, tous les animaux de la nature. En fait, c'est la nature, hein, là, c'est l'esprit animal qui est dans les cieux et qui vous aide à gérer cette situation, hein, et qui vous guide. Donc, vous êtes guidé, aidé par les esprits animaux. C'est très beau. Alors, par ce message, en fait, on vous demande de travailler avec les animaux, à la fois physiquement et spirituellement. Donc, tant sur terre que dans les cieux, car ils essaient de vous contacter pour communiquer avec vous. Pour entendre ces êtres bienveillants, il vous faudra écouter de tout votre cœur et de vos oreilles intérieures sans émettre de jugement. Quand vous ouvrez votre esprit, vous entendez nettement leur voix et leur message. Vous avez également certains guides animaux dont fait peut-être partie l'un de vos petits compagnons. On les appelle, ce sont des animaux totems. Sont une sorte d'ange relié à la terre. Donc là, vous êtes relié à ces animaux totems qui sont des sortes d'anges, en fait, hein, et qui sont dans les cieux, qui sont reliés à vous, à la terre. Hein. C'est magnifique. Troisième petit message. Oula, c'est à l'envers. Ah, vous êtes un clairvoyant accompli. Donc là, on me dit que vous êtes un clairvoyant accompli, que vous êtes soutenu, on vous aide, hein, on vous guide dans cette situation. Donc c'est par les esprits des animaux. Hein. Et en plus de ça, il y a l'archange Raphaël aussi qui vous apporte sa protection et sa guérison. Alors, on vous dit de croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit
aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et à être guidé. Donc on vous dit bien que cette vision spirituelle donc, vous êtes, hein, que vous avez, vous aide à soigner. Donc à soigner des animaux, des êtres humains, les plantes, voilà, Terre Mère Gaïa, enfin voilà. Ça vous aide à soigner plein de domaines, ou un seul domaine. Ça vous aide à enseigner. Donc vous pouvez enseigner des choses, hein, des choses aux personnes, aux animaux, à la nature. Voilà, vous êtes là pour enseigner aux autres, hein, mais aussi être guidé. Alors, les anges vous envoient ce message pour vous aider à croire. Les visions que vous recevez au cours du sommeil, ainsi que les signes physiques que vous voyez. Alors, on vous dit nombre récurrent, les plumes, les pièces de monnaie, les éclairs de lumière, etc. Puisque le Créateur peut tout voir, il semble évident que vous, comme tout le monde, ayez hérité de cette vision spirituelle. On vous dit que si votre don paraît bloqué, c'est peut-être à cause d'expériences malheureuses du passé que les anges peuvent vous aider à soigner et à libérer. Comprenez qu'il est normal que vous soyez clairvoyant, car ce bienfait est une aide dans votre travail de thérapeute et d'enseignant. Cela vous fournit aussi en permanence des conseils précis. Un peu comme le GPS d'une voiture qui vous guide à destination. Merveilleux. Ayez confiance en votre don. Ayez confiance en votre don. Et je vais vous lire le petit message en plus de ça de l'archange Raphaël. Qui est avec nous. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Vos prières de guérison pour vous-même ou les autres ont été entendues et prises en compte par l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est le médecin suprême du royaume angélique. Raphaël, dont le nom signifie « Dieu qui soigne », vous prodigue idées et conseils thérapeutiques afin de vous inciter à faire de l'exercice, de manger sainement, de sortir de la dépendance de l'alcool et du tabac, et ainsi de suite. Raphaël peut vous aider à réduire ou éliminer vos mauvaises habitudes si vous le lui demandez. Il peut aussi augmenter votre motivation sportive. Si vous vous sentez appelé à améliorer la santé des autres, donc par exemple vos proches, des clients, des animaux, familiers par exemple, demandez à l'archange Raphaël de guider vos paroles et vos actes. Il vous enverra l'énergie de guérison pour que vous deveniez un canal de lumière et d'amour divin. L'archange est également heureux de vous accompagner dans votre dans vos études de thérapeute, selon votre demande. Voilà, voilà tout ce que je devais vous transmettre, c'était magnifique. Bon, bah écoutez, moi je vous envoie plein d'énergie de guérison aussi, plein d'énergie positive, plein de force, plein de courage. Beaucoup d'amour et voilà, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. Prenez bien soin de vous, à très vite.